Vous êtes installé confortablement. Vous ajustez votre position afin qu'elle soit la plus agréable possible pour en arriver à oublier votre corps physique pendant ces quelques minutes. Nous allons quitter le monde des sens et nous concentrer sur ce fabuleux pouvoir que la nature nous a donné et qui n'appartient qu'à nous les humains, l'imagination. L'homme éclairé ne vit que par son imagination. Il sait se soustraire du monde des sens, que ses sens étiquettent comme réel afin d'imaginer celui dont il rêve, le construire de toutes pièces mentalement, tel un enfant dans son bac à sable qui façonne tout ce qui lui passe par la tête. Une imagination entraînée, cultivée et entretenue est le plus sûr garant de notre liberté. C'est grâce à elle, par le biais des émotions qu'elle induit, que l'homme arrive à créer la réalité qu'il désire. Avant de commencer cette méditation, pensez à ce qui vous dérange en ce moment dans la vie et que vous voulez éradiquer. Que ce soit une situation, une personne, une maladie, peu importe. Pensez à ce qui vous perturbe le plus en ce moment. Prenez simplement quelques secondes pour choisir le plus gros tracas actuel dans votre vie, un seul. Résumez-le mentalement par une forme, une image, ça peut être un objet, un mot en 3D, une émotion, ou tout ce que vous voulez. Laissez ce problème venir sur le devant de votre attention sans vous apesantir dessus comme vous le faisiez avant. Observez simplement cette chose comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Pensez-y maintenant pendant 10 secondes, sans émotion. Observez-la juste comme s'il s'agissait du problème de quelqu'un d'autre ou d'un passage de roman, d'une fiction. Mettez-la maintenant de côté, comme quand on prépare des ingrédients pour une recette de cuisine afin de n'avoir qu'à tendre la main pour les y incorporer le moment venu, ou comme vous replacez une mèche de cheveux qui vous gêne. Pour commencer, nous allons chercher la position la plus confortable possible, afin de littéralement oublier le corps physique et ses sensations. Vous pouvez être assis, les pieds bien à plat sur le sol, le dos droit tout en respectant la courbure naturelle de la colonne vertébrale, ou allongé si vous savez rester éveillé. En effet, il faut éviter de s'endormir ici, car même si vous êtes en état alpha, vous devrez rester vigilant pour accomplir les exercices qui vont suivre. Une fois le corps anesthésié volontairement grâce à notre immobilité, notre attention va naturellement s'élever vers le mental, pour ensuite ascensionner vers le spirituel. Gardez donc toujours ce but premier à l'esprit. Cherchez le plus rapidement possible à ne plus sentir votre corps. Si vous n'y parvenez pas tout de suite, ça n'a pas d'importance, c'est même normal, ne vous découragez pas. Au début, ça paraît impossible, tant notre ego est intimement lié au corps. Mais au fil de votre pratique, à condition qu'elle soit quotidienne, voire plusieurs fois par jour, ce même ego comprendra qu'il peut oublier son véhicule terrestre, ce corps de chair et d'os, pendant quelque temps sans qu'il arrive un drame. Et ensuite, la sensation de vivre selon notre imagination, une de ses plus saines prérogatives, lui paraîtra tellement amusante et grisante qu'il recherchera cet état de transe le plus souvent possible. Et vous pourrez être sûr que, lorsque ceci arrivera, vous serez tout à fait prêt à ressusciter, à être littéralement sauvé de votre vie actuelle qui ne vous plaît plus, grâce à votre imagination. Imagination qui n'est autre que l'allégorie de Jésus dans la Bible. Voilà pourquoi les Écritures l'appellent le Sauveur. Notre imagination nous sauve de notre monde actuel qui ne nous plaît plus, pour un autre que nous aurons façonné de toutes pièces, pour nous et rien que pour nous. Commençons la relaxation. Cherchez dès le début à anesthésier votre corps en le rendant le plus immobile possible. Une fois que vous avez trouvé une position agréable, restez-y même si elle devient vite inconfortable. En effet, si vous changez chaque fois pour une position plus confortable, cette nouvelle position deviendra à son tour inconfortable quelques minutes plus tard. Vous en changerez à nouveau et l'anesthésie du corps sera impossible. Gardez la première position confortable que vous trouverez, même si elle devient inconfortable, et accommodez-vous-en de façon à ne plus la sentir. Gardez bien ce but à l'esprit tout au long de la première partie de ce programme, jusqu'à l'arrivée des suggestions. Ensuite, ne bougez plus d'un cil. Prenez une bonne inspiration en commençant par le ventre,
ensuite la poitrine, ensuite le cou, et gardez-la quelques secondes. Expirez doucement en laissant vos poumons se vider naturellement sans forcer. Restez quelques secondes avec les poumons vides et savourez votre relaxation physique. Prenez une bonne inspiration en commençant par le ventre, ensuite la poitrine, ensuite le cou. Gardez-la quelques secondes. Expirez doucement en laissant vos poumons se vider naturellement sans forcer. Restez quelques secondes avec les poumons vides et savourez votre relaxation mentale. Votre esprit se calme, les pensées se raréfient. Prenez une bonne inspiration en commençant par le ventre, ensuite la poitrine, ensuite le cou, et gardez-la quelques secondes. Expirez doucement en laissant vos poumons se vider naturellement sans forcer. Restez quelques secondes avec les poumons vides et savourez cet état de relaxation où tout est possible, dans ce silence, loin du tumulte, sur cette belle feuille blanche où vous allez écrire et dessiner tout ce que vous avez toujours voulu voir en vrai dans votre vie. La détente dans laquelle vous vous trouvez en ce moment est cette belle feuille blanche. Ou si elle n'est pas encore totalement blanche, car des pensées tentent toujours de la noircir, laissez-les aller. Laissez-les aller. Les pensées sont des fils. Personne ne vous oblige à tirer dessus. Observez-les, vous narguez et souriez. Ils disparaîtront aussi sûrement que votre feuille s'éclaircira et deviendra d'une blancheur immaculée. Visualisez cette belle feuille blanche. C'est votre mental, c'est votre matrice. Remerciez-la d'être toujours aussi disponible qu'au premier jour de votre naissance. Remerciez-la d'attendre vos nouveaux mots ou vos nouveaux dessins. Disons ensemble merci d'une voix douce, mais tout de même en utilisant nos cordes vocales. Merci. Merci. Inspirez doucement mais profondément. Expirez doucement en disant mentalement « je me détends ». Maintenant visualisez un jeune enfant en train de jouer dans son bac à sable, avec ses petits bras potelés et joufflus, opérant des mouvements saccadés en fonction de ses envies sans réfléchir à la suite. Il est dans le maintenant. Le passé et le futur n'existent pas pour lui. Regardez-le jouer, s'amuser et rire. Il est heureux. Il est bien. Il sait que ses parents veillent sur lui, que la divinité veille aussi sur lui, ainsi que sur ses parents. Il est confiant, il fait confiance à l'univers tout entier. Il sait que rien ne peut mal tourner tant qu'il fera confiance à plus grand que lui qui est là depuis toujours et qui sera là pour toujours. Maintenant, mettez un nom sur cet enfant. Appelez-le Unihipili. C'est votre enfant intérieur, votre subconscient qui ne pense qu'à jouer, s'amuser, rechercher et trouver le plaisir en tout temps. Le plaisir, il n'y a que le plaisir qui l'intéresse. Restez quelque temps à contempler votre enfant intérieur, admirez-le, admirez sa spontanéité et son insouciance. Voyez-le de plus en plus beau, radieux et heureux. Sentez tout l'amour que vous avez pour lui. Ressentez véritablement une fusion maternelle avec votre enfant qui part de votre cœur et qui vous submerge tous les deux. Laissez cet amour fuser jusqu'à ce que peut-être vous en ayez une larme de joie, une larme d'amour pour cet enfant qui a traversé tant de vies, tant d'épreuves, mais qui malgré tout est toujours là, en vous, prêt à accueillir votre amour et vous donner le sien. Ressentez cet amour pendant quelques secondes. Sentez-vous débordant d'amour pour ce petit garçon ou cette petite fille qui est en vous, qui est vous, l'incarnation de votre vie éternelle. Inspirez doucement mais profondément. Expirez doucement en disant mentalement « je me détends ». Maintenant, nous allons réfléchir ensemble, nous allons faire équipe. Nous allons conjuguer nos compétences afin de purifier. Purifier tout simplement. Sans complément d'objet, nous allons purifier au sens large, c'est-à-dire tout ce qui est purifiable. Purifier signifie rendre pur, remettre toute chose à son état originel, immaculée vierge, comme votre belle feuille blanche d'il y a quelques minutes. Nous allons donc purifier. En hawaïen, cette purification se nomme Ho'oponopono.
Sentez l'énergie purificatrice de ce mot et pensez-y maintenant avec le même amour que pour votre Unihipili. Pensons ou disons ensemble Ho'oponopono. Inspirez doucement mais profondément. Expirez doucement en disant mentalement « je me détends ». Maintenant, allez rechercher le problème du début que vous aviez mis de côté. Amenez-le sur le devant de votre attention comme on prendrait un objet pour le mettre devant un objectif d'appareil photo, sans jugement, sans émotion. Attrapez-le avec votre main mentale et placez-le devant vous. Réalisez maintenant que si cette chose que vous voyez devant vous est votre problème actuel, ça veut dire que votre petit Unihipili, votre enfant intérieur, se sent plus petit qu'elle, qu'il la voit en permanence devant lui comme une sauterelle devant un géant, et qu'il n'existe rien d'autre pour lui. Il a autorisé quelqu'un à placer cette chose devant lui à un moment donné et à l'y laisser. Et Unihipili considère cette chose comme son décor et doit composer avec. Imaginez la tâche que ça représente sur sa route. Maintenant, regardez-le vivre avec ça et demandez-lui pardon. Pardon de lui avoir imposé ça. Et maintenant que vous comprenez mieux son ressenti face à cette chose qu'il considère comme sa seule vérité, vous avez le droit d'être irrité car cette irritation va vous aider à la faire disparaître pour toujours de son champ de vision. Prenez maintenant votre main mentale et attrapez cette chose, telle une pince qui attrape un monstre en peluche dans une attraction foraine, et envoyez-la valser dans les profondeurs de l'univers. La chose n'est plus là. La feuille est redevenue blanche. Unihipili ne voit plus que du blanc. Cette belle feuille blanche qui correspond à la matrice universelle où l'on peut dessiner ce que l'on veut. On peut toujours remarquer la trace que cette chose a laissée. Un peu comme la trace d'un vêtement trop serré que l'on enlève et qui reste sur la peau encore quelques minutes après, mais qui finit immanquablement par disparaître. Le corps reprend toujours sa forme initiale. Votre feuille blanche reprend toujours sa couleur initiale quand on y enlève ce qui la ternissait. Inspirez doucement mais profondément. Expirez doucement en disant mentalement « je me détends ». Continuons la purification en pensant successivement à ces quatre couleurs purificatrices. Indigo, magenta, bleu glacier, et revenons au blanc. Vous êtes donc de nouveau sur une belle feuille blanche, comme au début, mais celle-ci est celle qui se trouvait en dessous de l'ancienne que vous venez de purifier. Votre subconscient est donc purifié d'une chose. Et chaque fois que vous reprendrez ce processus, une nouvelle chose sera purifiée jusqu'à ce que vous atteigniez la paix du jeu, la paix de l'esprit, la paix pour toujours. Voyez donc cette belle feuille blanche qui n'attend qu'une chose, qu'on y écrive ou dessine quelque chose. Maintenant, pivotons nos pensées. Imaginez la situation opposée à celle que vous venez de purifier. Imaginez ce que vous voudriez vivre au plus profond de vous. Prenez un stylo, un feutre ou un pinceau mental et écrivez ou dessinez-la sur cette belle feuille blanche. Vous avez toutes les couleurs du monde à disposition, toutes les tailles de pinceau, toutes les encres, tout ce que vous voulez. Vous avez l'infini entre vos mains. Vous pouvez même y ajouter des sons, tous les sons, les mots que vous voulez, tout ce que vous voudriez entendre de la bouche de certaines personnes, toute la musique que l'amour peut jouer dans la tête des gens heureux. Incluez-y également des senteurs, des fragrances, tous les parfums qu'un nez est capable de sentir, tous ces parfums délicats où vous aimeriez vous baigner. Incluez-y également les sensations corporelles, toutes ces caresses sur votre peau, caresses d'un air délicat, d'un être aimé, d'un animal qui vous fait des câlins, de l'eau cristalline dans laquelle vous rêvez de vous baigner. Prenez quelques minutes pour écrire et dessiner en trois dimensions tout ce que vous voudriez vivre. Et là, contrairement à la première idée où je vous demandais de ne pas avoir d'émotions, ici, lâchez-vous complètement. Laissez exploser toutes les émotions positives sans aucune retenue, sans aucune limite. Vous êtes seul dans votre méditation et avez le droit d'exploser de joie, de crier, de pleurer de joie, de ressentir ces frissons de votre enfance que vous ne pensiez plus jamais ressentir. Ils sont là, ils ont toujours été là. Vous vous êtes simplement octroyé le droit de les ressentir de nouveau, à la plus grande joie de votre Unihipili qui, à son tour, vous remercie d'être là.
Les pensées sont des choses. Vous pouvez vous réjouir de la réalité de ce que vous venez d'imaginer et ressentir tout le plaisir de faire, d'avoir ou d'être tout ça. Prenez quelques minutes pour ressentir toutes ces choses. Félicitations, vous venez de voir qu'une imagination dirigée, contrôlée et encouragée peut vous faire vivre la vie dont vous rêvez. Et pour conclure ce charmant voyage, tout ce que vous avez vu avec votre œil intérieur et tout ce que vous avez ressenti se manifesteront bientôt devant vous au moment où vous vous y attendrez le moins. Oubliez donc totalement tout ce que vous venez de faire et de vivre et ne conservez que la meilleure émotion. Gardez-la le plus longtemps possible. Recommencez ce tutoriel autant de fois qu'il vous semblera agréable et attendez-vous au meilleur sans le chercher. Faites confiance. Vous venez de faire délibérément la seule vraie chose qui soit, la seule qui porte fruit, vivre selon son imagination. Il est temps maintenant de sortir de cette merveilleuse transe et de revenir à notre état de veille, au monde des cinq sens, de revenir dans votre peau. Je vais maintenant compter jusqu'à 5. Et à 5, vous serez totalement éveillé, revitalisé, et aurez totalement oublié les choses et les endroits visités en imagination. Vous ne garderez qu'une seule chose, cette paix que ces voyages imaginés vous auront permis d'atteindre et de garder. Vous resterez empreint de la paix du jeu, la paix divine, satisfaction de tous les humains qui savent se servir de leur imagination telle que nous sommes conçus pour. 1. Vous respirez un peu plus profondément. Vous sentez l'énergie vitale pénétrer votre corps et vous revigorer. 2. Vous bougez doucement tout votre corps, que vous aviez oublié complètement pendant toutes ces minutes. 3. Vous bougez la tête à droite, à gauche, tout en respirant profondément et en étirant vos membres à votre rythme, à votre façon. Vous bâillez si vous en avez envie, vous détendez votre mâchoire. 4. Votre corps reprend ses fonctions. Vous respirez normalement et vous apprêtez à ouvrir les yeux. 5. Vous ouvrez les yeux, vous êtes complètement rafraîchi, revitalisé. Vous venez de rentrer de vacances, vous êtes dans une paix incroyable et vous allez la garder le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'à terme, elle ne disparaisse plus jamais. Vous pouvez vous féliciter et dire bonjour au reste de votre journée qui vous attend. À bientôt !